Can we? There we are. Okay, thank you everyone for attending now this afternoon session. We're first going to begin with Patrick André Chenet, L'Ordre du Passé Futur Américain, Chevalier Prince du Topic. Pas vous, mon frère? Bon, je vais poser ça. Oui, bonjour. Je suis content d'avoir une assistante nombreuse. Alors, pacificateur américain, chevalier, prince du tropique, donc à propos de la découverte d'un troisième manuscrit qui est antérieur à ceux déjà répertoriés, c'est un peu pour cela que j'ai voulu faire cette communication. Donc les objectifs de cette communication seraient de découvrir le manuscrit originaire du prince des topiques, le premier, avec qui était un brouillon en fait, un véritable rituel de deuil, sorte de devoir de mémoire, une analyse un peu de ce rituel sur le plan psychologique de l'époque, et ça permet aussi d'éclairer les relations un peu houleuses qu'il y a eu dans la période 1813-1821 entre le suprême conseil d'Amérique exilé en France et le suprême conseil de France de 1804, qui est l'actuel d'ailleurs. Alors, que savons-nous déjà? J'ai repéré deux articles sur le sujet. Un article de Nell Winemouth, The American Peacemaker, An Introduction to a French Colonial Masonic Order. Et un article qui avait été fait par mon ami Pierre Mollier dans Franc-Maçonnerie Magazine, qui était un article pour rappeler l'existence de ce manuscrit. Alors, on a deux copies connues du rituel, qui sont la Bibliothèque nationale d'Espagne et la Bibliothèque nationale de France, et qui sont présentées d'une certaine manière. Et puis, il y a des références. On retrouve ce manuscrit cité dans la Vente le Rouge de 1835, dans des plaquettes et statuts et règlements de 5818 du Suprême Conseil d'Amérique, Clause 4565, et Nodon, dans son Histoire des Hauts-Grades, semble le mentionner. Où est-il fait mention à l'époque de ce rituel? Ben, on peut dire que, quelque part, il a été... Bon, s'il a été créé en 1813, il a été accrédité d'une manière nette dans la plaquette qu'a fait le Suprême Conseil d'Amérique, qui était en fait le Suprême Conseil qu'on appelait du Prado à l'époque, en 1818. On voit sur... Il n'y a pas de flèche là, non? Non, j'ai l'habitude de mettre une flèche, mais... Non. On voit sur ce tableau que le sublime ordre militaire du pacificateur chevalier prince des tropiques est dans cette plaquette, avec quelques articles de son règlement, et notamment ce qu'on peut dire quand même, contrairement à ce que j'ai pu entendre des fois, c'est que c'est pas un 34e degré, c'est plus en fait... Un rituel annexe, et il n'augmente pas le nombre des degrés, rien n'est innové au statut, c'est bien précisé dans cette plaquette. Alors les deux manuscrits déjà répertoriés sont d'une présentation impeccable, hein, manifestement des recopies, celui de la BNF est très, très net. Et je voulais vous présenter un nouveau manuscrit que j'ai eu il y a quelques années, qui est de ma collection privée, et qui est daté du 12 janvier 1813. Je pense que c'est quasiment le manuscrit princeps, parce qu'il y a les raptures et les corrections qui font foi dessus. Donc, je vous ai mis en regard, excusez-moi, les manuscrits de la Bibliothèque nationale d'Espagne et mon manuscrit Princeps qui est à droite, là, qui est un manuscrit avec des ratures, vous pouvez déjà les voir sur la première page. Donc on voit bien la différence entre
ce manuscrit et les recopies des années 1818. C'est donc, à mon avis, un troisième manuscrit qui manifeste d'ailleurs sa devise, hein, qu'un vengeur naisse au jour de ma cendre, hein, de Virgile, et tant que je vivrai, j'espérerai. Et donc, ce manuscrit paraît vraiment être l'ancien. Il y a les corrections, les ratures, il y a les santé qui sont à Napoléon, souverain et au roi, et il est daté de 1813. Alors, les différences entre les versions attestant l'ancienneté de ce manuscrit sont intéressantes. Il y a les corrections qui montrent bien qu'il y a plein de choses qui ont été rajoutées, on le voit, hein, sur ce manuscrit, tout au long de ces 22 pages. Des choses assez significatives, par exemple, ils ont été poussés. Il y avait écrit poussés, puis ils ont renforcé, ils ont mis exilés de leur terre. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a eu des hésitations. Ils ont remplacé exilés, poussés par exilés. Il y a des choses qui ont été modifiées, rayées. Il y a la date. Alors la date, je l'ai mis, hein, elle est très nette là, donc à la fin du manuscrit. Voilà, les détails du manuscrit, eh bien, l'histoire de ce manuscrit est intéressante parce qu'elle montre quand même, si vous voulez, qu'il y a eu un traumatisme. Moi, pour moi, si vous voulez, il est bien évident que personne ici peut approuver l'esclavage ni ce qu'il faisait. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ces gens étaient à la fin du 19e et au début du 18e, ils avaient, pour eux, c'était normal ce qui se passait, c'était pas. Et donc, ils ont été dans un vrai traumatisme quand il y a eu cette guerre à Haïti. Et dans cette histoire du grade, ils mettent bien, dans l'explication du grade, c'est le rétablissement de la colonie de Saint-Domingue, le retour de l'autorité légitime, vous voyez, pour eux, à cette époque-là, c'est légitime, l'esclavage, ce qui a très vite été, bien sûr, chassé, et chaque propriétaire sur son habitation. Voilà, ils décrivent la salle du conseil comme un vaisseau de guerre, hein, parce qu'il faut passer par la mer pour aller en Amérique. Et chaque chevalier a un costume militaire. Il faudra combattre les insurgés. Voilà, les insurgés qui, en fait, sont chez eux, si on réfléchit bien. Donc, il y a une histoire du grade où sont relatés d'une manière très, très, je dirais, alors nous, on pourrait dire revancharde ou partisane, mais bon, les funestes effets de la Révolution française, la bataille de Vertières du 18 novembre 1803, je reviendrai dessus, la juridiction souveraine du Suprême Conseil d'Amérique était celle des vrais Écossais. Quand ils sont revenus en France, eh bien, ils se sont heurtés au Grand Orient et au Suprême Conseil qui s'était déjà installé en France. Ils ont attaqué Piron, notamment, qui était l'un des maîtres du Suprême Conseil de France. Et puis, on lit aussi les propriétaires colons, perdant tout espoir de rentrer sur leur habitation, viennent rechercher en France. Donc, perdant tout espoir, c'est quand même marqué. Et donc, quelque part, c'est pour ça que je dis que c'est un rituel de deuil, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas un grade, c'est un rituel de deuil, en fait. Et on parle beaucoup actuellement de stress post-traumatique, et je crois qu'il est né comme ça, c'est une sorte de conséquences d'un stress post-traumatique. Donc, je vous ai mis quelques reproductions. La salle d'audience représente la chambre du conseil d'un vaisseau de guerre. Voilà. Main de justice, épée en croix, drapeau de l'ordre. La décoration de la salle, salle est bien écrite, SALE. Voilà. Noir, blanc et rouge, ce sont les couleurs du deuil. Voilà. C'est des couleurs qui sont tout à fait en rapport avec ce qui se passe. Et puis le drapeau, c'est une véritable mise en scène, ce drapeau. Bon, je n'ai pas retrouvé, moi, d'iconographie du drapeau. Je ne sais pas s'il a jamais été dessiné par qui que ce soit. Hein.
Il est noir, blanc et rouge, un soleil avec un triangle orné au milieu du nom de l'Éternel et autour de cette devise, tant que je vivrai, j'espérai. Bon, ils espéraient toujours, c'est vrai. Un aigle portant dans ses serres un ruban sur lequel est la devise, donc la devise en français qui se traduit par « qu'un vengeur naisse un jour de ma cendre », c'est dans l'Énéide de Virgile. Donc, qu'un vengeur naisse un jour de ma cendre, ça supposait qu'il pouvait peut-être même mourir avant d'être vengé. Voilà. Et au milieu du drapeau, sur la couleur blanche, on voit un morne. Alors, c'est les petites collines de Haïti, les mornes, hein, en feu, et s'écroulant en bas sont des tombeaux et des nègres à l'attitude du désespoir. Avec un paysage riant autour, faisant contraste, au-dessus du morne est un nuage d'où sort la foudre qui le détruit. Voilà, c'est une véritable mise en scène. Et moi, j'ai trouvé ça quand même révélateur de beaucoup de rancœur. Voilà. Donc la batterie est banale. La marche, c'est fièrement dans l'attitude du commandement. Et puis là, j'ai très significatif, c'est la première année du rétablissement des colonies, donc ils sont encore non-nés, si on veut dire, ils ne sont pas nés encore. Hein. Le costume uniforme, le crachat, vous savez que le crachat, c'est une sorte d'écusson qu'on a sur son poitrail, c'est un soleil avec les armes de France et toujours cette même devise qui est là, le soleil est brodé, les armes en argent et la devise en noir. Et puis le cordon, toujours, cordon de deuil en noir. Cordon qui d'ailleurs n'existait pas sur le manuscrit. Enfin, on voit bien qu'il a été rajouté sur le côté, voilà, du manuscrit, donc c'est intéressant. Les titres des officiers, j'irai pas très loin, simplement le premier, c'est le généralissime, avec le lieutenant du généralissime. Le deuxième, c'est le commandant des troupes. Et les autres ont des dénominations plus habituelles. Mais voilà, on est dans un conseil de guerre, hein, généralissime, commandant et lieutenant. Le mot de passage, il est singulier, il est paradoxal. Hein, la pacification des colonies. Le signe de détresse, les deux bras en croix, voilà. Et les signes sont toujours honneur, courage, voilà. Très amusant, le premier signe, c'est de se partager en trois pour mettre les tropiques et l'équateur, voilà, le thorax. Donc l'ouverture du conseil se fait avec le généralissime, et l'heure est arrivée, travaillons au rétablissement des colonies. Donc c'est toujours cette omnubilation de cette perte. Honneur et courage. Et gloire aux éternels, aux illustres vengeurs du nouveau monde. Voilà, ça ne viendra jamais, mais c'est comme ça. Le tuilage, que cherchez-vous ? La gloire et la prospérité de la France. Mais que doit être le but de nos travaux ? De remettre les possessions françaises de l'Amérique sous la puissance de leur légitime souverain, bien sûr. C'est le souverain, c'est pas le roi, c'est Napoléon, à cette époque-là. Et chaque propriétaire sur son habitation. Voilà, l'alphabet n'a rien de très particulier. Je l'ai mis en iconographie. Les devises, eh bien, non plus, hein. Je n'écris pas sur la neige, je me brise, mais je ne cède pas. Si on m'abaisse, je m'élève, mon courage me suffit. Chaque chevalier devait avoir normalement une devise à lui dans ce rituel. Voilà. Et le bref, c'est-à-dire le diplôme, et je n'ai pas d'originaux du diplôme, hein, donc il a juste été rédigé en fait en mer à la hauteur, donc on suppose... par les 19e degrés, 48 minutes et 40 secs de latitude, au nom du généralissime, pouvoir qui émane des statuts et règlements de ce sublime ordre militaire, nous ordonnons à tous, c'est les formules habituelles des lettres patentes et des diplômes. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nombre des officiers qui est fixé sur cette version primitive à 19.
avec à la création de l'ordre, hein, les 7 officiers fondateurs et les 12 chevaliers qui sont adjacents. Ces officiers, je vais revenir dessus, donc je vous les cite juste dans l'ordre des apparitions des textes, mais je vais revenir dessus parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Ils ont lieu, alors les banquets au lieu d'une table ronde, voilà, autour du souverain, non pas du roi, comme je vous l'ai dit. Statut et règlement du prince des tropiques, eh bien, vous voyez, on a toujours dans ces textes rajouté, il y a toujours ces rajouts et qui montrent bien que ce manuscrit est intéressant sur le plan, originaire. La fin du manuscrit se termine par pour le bien de l'ordre et qui soit relatif à la maçonnerie, il s'engage, donc le frère qui sera dans ce rituel, à marcher toujours vers l'épuration et la réformation d'une situation dont le but est moral, et on est en plein paradoxe là, mais et qui peut encore rendre les plus amples services au genre humain. Voilà, en mer à la hauteur de Paris, le 12 janvier 1813. Alors, si on veut un peu faire de l'interprétation hein, des textes, eh bien, ce manuscrit institué le 12 janvier, on peut se demander entre 1813 et finalement la bataille qui les a chassés, pourquoi il y a eu un certain temps. Ben, il y a eu l'errance des colons aux Amériques, hein, ils ont commencé par aller aux Amériques, le temps du retour. La situation politique à l'époque de la France, la prise d'importance progressive du Suprême Conseil d'Amérique en France. Le 12 janvier 1813, beaucoup s'étaient retrouvés, et donc c'est là que ces dignitaires du Suprême Conseil d'Amérique conçurent l'heureuse idée de créer un grade. Ils appellent ça un grade, mais il est bien précisé que ce n'est pas un grade dans la constitution du Suprême Conseil d'Amérique, un grade qui eut rapport aux persécutions actuelles de l'ordre, vous voyez. En fait, à l'origine de ce Sénat écossais et au but vers lequel tendaient tous leurs vœux, ils se communiquèrent leurs idées et fondèrent l'ordre du pacificateur américain ou chevalier prince des tropiques. Donc, le Suprême Conseil d'Amérique sera absorbé en 1821 par le Suprême Conseil de France, actuel Suprême Conseil de France 1804. Le manuscrit illustre la cause profonde, en fait, de l'opposition qui a existé dans la période, on va dire, 1813, 1814 et 1819-21. Entre un suprême conseil d'Amérique qui était éloigné de ses bases et qui n'avait plus vraiment beaucoup de sens, hein, et le rituel montre bien qu'ils essayaient de trouver un sens, mais ce suprême conseil d'Amérique avait quand même perdu sa raison d'être, et progressivement, ce suprême conseil d'Amérique qu'on appelait du Prado va décliner à partir de 1818. On aura beaucoup moins de documents. Son dernier document, c'est un peu imprimé, c'est celui que je vous ai montré. Et il sera absorbé en 1821 par l'actuel Suprême Conseil de France. Il y a véritablement là une portée psychologique, l'illustration du désarroi de frères ayant perdu tous leurs biens, et en perte de sens et en grande difficulté pour se redéployer en France. C'est pas parce qu'on comprend cette portée psychologique, encore une fois, qu'on approuve, bien sûr, l'esclavage, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Les fondateurs sont de la Hogue, qui était le beau-père de Grastilly, hein, Anne-Car, Marguerite, de Magellan, de Castellane et Tissot. Tout cela venait, bien sûr, d'Haïti. Et ils ont nommé dans le rituel, ils mettent le 7e fondateur, et c'est marrant, c'est parce que dans le rituel, c'est rayé, le 7e. Bon, alors ils ont rayé fondateur, je ne sais pas pourquoi. Était le très illustre, si je sais pourquoi, parce qu'il était absent.
il n'était pas dans, il n'a pas participé, si vous voulez, mais il a été nommé à son insu quelque part, je pense, parce que c'est de Grastilly qui va dire que le Suprême Conseil d'Amérique, dans les années 1818, n'est pas, si vous voulez, fondé à continuer en France. Donc les sept fondateurs ont à leur tête Laogle, le beau-père de Grastilly, volonté de revanche, reconquête de la colonie perdue, futurs officiers supérieurs de l'armée de la revanche. Le mot de passe, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est Haïti et la proclamation et gloire éternelle aux illustres vengeurs du Nouveau Monde. Alors le nombre des membres fut fixé à 19 à l'origine, mais il y avait quand même marqué il pourra y avoir en août 81 chevalier professe. On le voit bien là, hein, ça a été. Ils avaient mis d'ailleurs ajouté les honneurs et Haïti. Et c'est rajouté, ils ont été rajoutés sur les manuscrits de la BNF et de la Bibliothèque nationale d'Espagne. On retrouve différents chevaliers, Brassens, Beaumont, Roger, Hourault, Gaillard, voilà, qui sont rajoutés, hein, dans cette plaquette. Et dans cette plaquette, eh bien, vous retrouvez donc le généralissime. Ça commençait à être tendu entre de Grastilly en 1818, date de la plaquette en 1818, et entre ces gens du Suprême Conseil d'Amérique, ce qui fait que sur la plaquette de 1818, ben, de Grastilly, vous voyez, il y a généralissime, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Et ça s'explique tout à fait par le contexte, si vous voulez, maçonnique de l'époque. Et on retrouve donc Allemand, de Laogle, de Marguerite, de Magellan, de Castellane et Tissot, qui étaient les fondateurs et qui venaient bien sûr de Haïti. Je dirais que bon, il y a plein de noms peu connus dans tout ça, mais notons quand même qu'il y a Roum de Saint-Laurent, qui était chevalier professe et qui était là. Il était partout un peu, ce Roum de Saint-Laurent. Voilà. Donc, je vous passe la liste, hein, si ça vous intéresse, elle est dans le fascicule. Voilà. Donc, la liste des membres qui s'est considérablement amplifiée, si vous voulez, je ne sais plus combien il y en avait, mais il va y en avoir une soixantaine, ou je ne les ai pas mémorisés, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le témoignage que, en fait, il y a une débauche de grade à laquelle s'est livré le Suprême Conseil d'Amérique. Et c'est ce qui lui sera reproché par le Suprême Conseil de France, d'avoir nommé à tort et à travers. Et quand de Grastilly va donc faire ce reproche au Suprême Conseil d'Amérique et un peu lui dire qu'il ne peut pas faire ça et un peu le renier, eh bien, il y aura ce Suprême Conseil d'Amérique, son dernier acte de bravoure, on peut dire, ça va être de faire un procès de Grastilly pour déchoir de Grastilly. Et puis après, ça sera le déclin, hein, de la chose. Donc l'importance à l'époque de la perte, on ne le soupçonne pas trop aujourd'hui, mais quand on réfléchit, c'était quand même le dixième de la France, hein, Haïti, 48 442 km, c'était des propriétés immenses. Hein. Et donc, le soulèvement, la guerre, le carnage, la révolution qui a éclaté en France, hein, et à Saint-Domingue a finalement abouti à l'abolition de l'esclavage et à l'indépendance d'Haïti. Et c'est une perte importante parce que c'était une réserve économique, hein, il fournissait différentes matières premières. Signalons aussi qu'il y aura la bataille de Vertières car Napoléon enverra un gros contingent d'armée qui va se faire ratiboiser, c'est le mot, hein, à cette bataille de Vertières, voilà. Et donc, en 1804, c'est Rochambeau qui menait, et bien l'armée française est décimée, n'arrive pas à reprendre Haïti grâce à Toussaint Louverture et surtout à Dessalines. Et bien, voilà,
peut rayer à partir de cette date, puisqu'il y a l'acte d'indépendance de la République d'Haïti qui est formulé par Dessalines, hein, en Gonaïve, et va y avoir quand même un traumatisme profond à l'époque chez les Français, et des compensations seront d'abord réclamées par Charles X, non payées, et c'est Louis-Philippe qui arrivera en 1838 à récupérer de la République d'Haïti 90 millions de francs pour lui donner son indépendance définitive. Voilà, si on voulait se résumer, ce n'est donc pas un 34e degré, il n'a rien innové au tatu, mais en fait c'est un vrai rituel de deuil et qu'on peut comprendre. En 1813, de grâce est en odeur de sainteté, et on le voit dans ce rituel, mais progressivement, si vous voulez, on va avoir de la part du Suprême Conseil d'Amérique des attaques contre le Suprême Conseil de France. La principale, en fait, étant comme reproche que les membres, en fait, du Suprême Conseil de France ont renié l'écossisme, ce qui n'était pas très vrai. Mais ces gens du Suprême Conseil d'Amérique reprochaient ça à cause du concordat qui avait été signé avec le Grand Orient en 1804. Et bien qu'il fût annulé par une réunion chez Kellermann, c'était le fait que le Grand Orient est jusqu'au 18e degré pendant un certain temps, et puis un récusatoire contre Piron qui avait oublié qu'il attaquait les vrais Écossais au Suprême Conseil d'Amérique, parce que c'est eux là-bas qui avaient créé pour eux, si vous voulez, le rite écossais ancien accepté dans les colonies. Et donc c'est pour ça qu'ils s'estimaient les vrais. Voilà. Donc c'est un stress post-traumatique, si je peux dire, un rituel reflétant le stress des frères chassés de leur terre. Ce rituel, c'est une sorte de devoir de mémoire, de rappel du deuil. Tous se retrouvent au Suprême Conseil d'Amérique avec une nostalgie d'un écossisme colonial. Je ne sais plus où je l'ai lu, mais j'ai lu qu'une une personne a calculé qu'il y avait environ 25% des hommes blancs qui étaient maçons. Ce qui veut dire qu'il y avait vraiment, si vous voulez, c'était la maçonnerie qui était là-bas et que ça explique, si vous voulez, cette difficulté qu'ils ont eue en revenant. Et c'est un véritable traumatisme pour lequel donc Louis-Philippe obtiendra réparation. Néanmoins, malgré cette mémoire, Haïti sera la première république noire du monde. Voilà, je vous remercie, j'ai dit ce que je voulais vous dire. Thank you. Do we have any questions for our speaker? G'day. That's an Australian welcome. My name's Neil Morse. I wrote a paper that's been quoted in the paper just delivered. In my paper in Alexandria in the US last September, I made the point that this degree is probably the only degree created for a political purpose. The founders wanted the French government to take back the colony that was so important to their economy. I'm not convinced about the post-traumatic stress exercise. I think they did it for purely economic, selfish, financial reasons. They wanted their lands back. They wanted their slaves back. They wanted as it was.
before the revolution so that they would remain rich and comfortable. I don't think post-traumatic stress had much to do with it. It was purely economic, political, and selfish. I would welcome your comments on that. But can I ask a second question quickly? Where did you get it, please? Alors, première question, je crois que c'est à chacun de nous de... Première question, je dirais que chacun a son interprétation. Pour moi, qui suis... Pour moi qui suis plutôt médecin, habitué à prendre en compte les misères des gens, je pense que, si vous voulez, il y avait vraiment, véritablement un stress post-traumatique parce que une fois que la bataille de Vertières a été faite, je pense que Napoléon n'a absolument pas l'intention de retourner. Il était en plus en 1813, il n'était pas au mieux de sa forme. Et donc, si vous voulez, moi, je crois vraiment que y a ce rituel traduit vraiment un état psychologique de ces gens-là. Néanmoins, si vous voulez, vous avez raison, ils voulaient récupérer leurs terres. Ça, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Alors, dire que c'est égoïste, je ne sais pas si un propriétaire spolié, c'est égoïste de retrouver ses terres, je n'en sais rien. Après, chacun va interpréter comme il veut, voilà. Voilà, la deuxième question, c'était l'origine. Yeah. Il y a quelques années. Bon, je suis collectionneur depuis 30 ans. Et donc, je l'ai dans ma bibliothèque depuis quelques années. C'est en lisant ton article que j'ai été amené à regarder ce manuscrit et à me dire, mais bon sang, bonsoir, il y a quelque chose. Et donc, j'ai ce manuscrit que je pourrais te montrer un jour, si tu veux. OK. Do we have any other questions? Thank you. Thank you. Merci, mon frère. Okay. Now we'll be hearing from Pierre-Henri Landrieu on the Le Degré de Tabernacle Marqueur de l'Évolution du Tuileur. Du rite écossais ancien et accepté. Ah, oui. Bonjour, merci aux organisateurs. Alors, please. Merci. Alors, avant d'aborder le fond de notre sujet, il nous semble préalablement nécessaire de planter le décor. S'agissant du rite qui deviendra ultérieurement écossais, ancien accepté, nous nous souvenons tout d'abord de la fondation datée du 31 mai 1801 du système, voilà, ça marche, des souverains grands inspecteurs généraux du 33e à Charleston. Celui-ci est basé sur l'ajout au rite de perfection en 25 grades de 8 degrés supplémentaires, mais il s'agit toujours d'un système de haut grade, du 4e au 33e degré. C'est l'intégration supplémentaire à ce système des 3 degrés symboliques qui va définir le rite écossais ancien accepté, qui apparaîtra en France à l'automne 1804, et cette fois du 1er au 33e degré. Avec maintenant plus de 2 siècles de recul, la problématique des rituels et des tuileurs d'origine ne me paraît toujours pas complètement résolue.
Concernant le rite écossais, ancien accepté, le premier tuileur officiel est celui dit de Piron, qui date donc de 1811-1812. Nous verrons plus loin que d'autres documents ont pu être rédigés dans les années qui ont précédé. Mais pour ce qui est du rite de Charleston, je n'ai personnellement jamais pu avoir accès aux rituels d'origine, qu'ils étaient en main du colonel Mitchell, de Frédéric Dalcault ou même de Grassley. Les fondateurs du rite disposaient-ils dès 1801 d'un corpus complet des rituels pour tous les degrés, du 4e au 33e? Rien n'est moins sûr. Il est même fort probable que la question ne puisse jamais être résolue de manière définitive. Il semble en effet que aussi bien les rituels de Mitchell que ceux de Dalcault aient été au moins en partie dispersés, perdus ou détruits. D'après Rebecca Harris, les rituels de Dalcault auraient pu être transmis à la juridiction nord lors de sa création en 1813 par Emmanuel de la Motta, du moins ceux qui n'ont pas été dispersés, voire vendus par son fils Jacob, qui avait rejoint la juridiction sud après la mort de son père. Alors c'est cette perte qui aurait conduit Jill Yates à tenter de reconstituer dans les années 1830 un corpus cohérent à partir des documents qu'il avait pu colliger, et ce serait l'origine de la publication en 1995 « The Original and Complete Rituals of the First Supreme Council » dont l'authenticité n'est pas démontrée. Mais dont la cohérence, tout particulier en matière de date de publication des séries de grades, mérite tout de même réflexion. Quant aux documents personnels du commandeur John Mitchell, ils auraient été récupérés juste après sa mort en 1816 dans des circonstances plutôt discutables, c'est encore Rebecca Harris qui parle, par Thomas Bacot, grand maître de la Grande Loge de Caroline du Sud, mais qui n'était toutefois pas membre de la juridiction, et il ne semble pas que Dalcault, qui en était proche, ait pu les récupérer, ni leur faire rejoindre les archives de la juridiction sud. Mais même si cela avait été, une grande partie des archives serait partie en fumée lors d'un incendie en 1819. Dès lors, on comprend mieux comment le commandeur Holbrooke a tenté de reconstituer dans les années suivantes un corpus rituel qui toutefois ne paraît être resté qu'à l'état d'un carnet de notes. En définitive, le plus ancien corpus exhaustif actuellement disponible de rituels aux États-Unis pour cette époque semble rester la divulgation, au demeurant très précise, et publiée en 1829, c'est Light on Masonry, dans les prolongements de l'affaire Morgan, donc en pleine vague anti-maçonnique, c'est David Bernard. Il est très très précis, hein, ce document. Il manque quelques mots de passe, quelques mots sacrés, mais pour le reste, c'est une précision impressionnante. Alors moi, pour tenter de suivre l'évolution des Tuileurs, de manière très restreinte, hein, j'ai choisi de m'intéresser à des degrés intermédiaires, en présumant qu'il s'agit de rituels qui n'auraient été que peu ou pas modifiés depuis l'origine. Alors on va voir que tel n'est pas du tout le cas. Ainsi, le chef du tabernacle, 23e degré du rite écossais ancien accepté. La présentation actuelle de ce grade dans le rituel d'aéropage au Suprême Conseil de France indique que le candidat représente le fils d'Iram et il vient sacrifier au grand architecte de l'univers pour rendre grâce du châtiment des meurtriers de son père. Le grand souverain sacrificateur le reçoit au rang des Lévites, auxquels est confiée la garde du tabernacle qui renferme l'arche de l'Alliance. Ça, c'est la présentation d'aujourd'hui. Le sacrifice accompli par le fils d'Iram est bien l'argument tel qu'il est rapporté dans le manuscrit dit Piron, qui est daté donc de 1811-1812. Et je conserverai cet intitulé, hein, Piron, tout en rappelant que l'auteur semble avoir colligé des textes d'origine différente. Ce n'est pas comme d'habitude, c'est une collection de plusieurs rituels d'anciennetés diverses. Nous reviendrons ultérieurement sur la pertinence de ce référentiel que nous avons retenu en première approche, puisqu'il est le premier document traduisant le corpus rituel officiel du Suprême Conseil pour la France à cette époque, et par conséquent du rite écossais ancien accepté en tant que tel. Mais remarquons d'emblée que la date du document Piron intervient fort opportunément à l'époque de ce qu'on appelle l'affaire Abraham, qui avait vu, entre autres, la divulgation de divers rituels écossais. On a
appeler ça aussi l'affaire du père de famille. Je répondrai s'il y a des questions à ce sujet-là. Notons aussi pour mémoire que c'est dans le livre d'or de Grastilly que l'on retrouve la plus ancienne mention des degrés du tabernacle. Il avait conservé les lettres d'acceptation des hauts grades qui a été conférée aux dignitaires du suprême conseil des îles d'Amérique en 1802. Or, sur ces documents, hein, ils étaient rédigés par l'impétrant en recopie toujours d'un même modèle, on constate que le prince du tabernacle figure avant le chef du tabernacle. Vous verrez ça, 3 et 3, 6, 7, 8, enfin, vous trouverez ça dans les lignes. Bon, nous connaissons des variantes contemporaines et ultérieures du rituel. Ainsi, les rituels de la collection Kloss, ils sont censés... Ils sont présentés comme ça, présenter l'état des grades écossais en 1804, au moment de la fondation du suprême conseil pour la France. Ces rituels ont été authentifiés par le frère Dubin, garde des sceaux du Grand Orient de France, du 1er au 18e degré inclus, mais pas au-delà. Il y a en fait des différences notables entre le Kloss et le Piron, qu'il serait beaucoup trop long d'exposer ici. Mais remarquons tout de même que le document Kloss décrit le chiffre du tabernacle, ce qui ressemble fort à un ajout tardif. Aucune allusion n'y est faite dans le rituel de Piron ni des suivants, mais par contre, la mention en bas, la prix de Delaunay 1813, nous renvoie effectivement à la planche 7 du tuileur du même nom, publiée en 1813, dont il s'agit de l'exact facsimilé. Il n'est donc pas possible que le manuscrit Kloss 27, soit le reflet direct de tous les rituels disponibles en France en 1804-1805. A fortiori pour certains grades, surtout rares, qui ont pu être colligés plus tardivement et tout particulièrement pour les degrés interpolés. Alors on continue. En 1812, l'unique et parfait tuileur pour les 33 grades de la maçonnerie écossaise, là, c'est Firmin Abraham. Parfois, il a été attribué à Tissot, vous avez vu le nom tout à l'heure, mais là, c'est Abraham. Annonce, alors c'est du très neuf, qui est arrivé des bords de la Tamise. Il donne une batterie, un attouchement différent des précédents. On y découvre pour la première fois le mot de passe et la réponse tels qu'ils sont repris dans les tuileurs ultérieurs. Ici, Uriel. La réponse, tabernacle des vérités révélées, et aucune allusion au fils d'Iram. 1813, un an plus tard, le tuileur des 33 degrés de l'écossisme du rite ancien dit accepté est donc publié chez Delaunay. On peut remarquer dans l'avertissement une allusion très directe à des événements récents, à savoir les conflits entre Piron et, d'une part, Abraham, qui vendait des rituels, on va voir un petit peu pourquoi après, et d'autre part, de la Hogue, on vient d'en parler pour le Suprême Conseil d'Amérique, qui l'accusait de prévarication. Alors après avoir précisé que les quatre grades suivants, c'est ceux dont on parle, n'ont jamais été établis en France, il faut en convenir, cette rareté qui fait leur seul mérite. Au reste, nous garantissons l'exactitude du tuilage suivant. Et le tuileur du degré lui-même comporte bien aussi bien des reprises que de grandes différences avec les précédents. Et en exposant, on commémore dans ce grade l'erreur de Salomon, qui sacrifia aux idoles et perdit ainsi la communication qu'il avait avec le Seigneur par l'Urim et le Thummim. Le récipiendaire est soumis à une semblable épreuve, il en sort triomphant. En fait, le rituel se rapporte à l'argument du prince du tabernacle. Et dans le papier, la description du 24e degré, là où il aurait dû y avoir toute cette histoire salomonienne, est quasiment vide. Et là, on se souvient de cette histoire d'inversion hein, du chef et du prince du tabernacle dans le document de Charleston. Mais bon. Examinons maintenant le manuscrit complet des 33 degrés du rite écossais, écrit pour le très illustre et très puissant frère de Quesada, sans doute en 1813 et raturé en 1821. Il se trouve que c'est dans ce document Quesada que se trouvait une des versions du pacificateur américain qui a été évoquée juste avant par notre frère Patrick André. Ce rituel est proche de celui de Piron. La disposition du temple ainsi que la vêture des frères sont illustrées. La description de la séquence sacrificielle pour le fils d'Iram est identique à celle de Piron, mais toutefois, les secrets du grade sont ceux de Delaunay, y compris la batterie, le mot de passe, qui devient Auriel, et sa réponse, mais qui correspond au 24e degré de Piron et non au 23e. Ça
commence à se compliquer, là. En 1819, le Tuileur de Grasse-Tilly, qui est publié quand même dans l'ambiance de ce qu'on vient d'évoquer, Prado, Pompéi, reprend le descriptif de la loge, des acteurs, ainsi que de la trame légendaire du fils d'Iram selon Pierrot. On retrouve, voilà, c'est ça, ça c'est Grasse-Tilly. On retrouve ainsi les mots de passe et sacrés de Pierrot, mais ce Tuileur ajoute un deuxième mot de passe qu'il intitule Osiel. Et regardez bien comment c'était écrit Auriel, qui était déjà une déformation. Effectivement, il y avait de quoi se tromper. Ça ressemble bien à une erreur de recopie. L'objectif de ce rituel semblait d'allure syncrétique, puisqu'il conduit à procéder de même pour la batterie ou encore l'attouchement selon Pierrot, mais avec un deuxième attouchement qui est celui de Delaunay. En gros, on prend tout, on mélange, on met dans le même bouquin et tout le monde est content. Ou pas. Et pour cause, puisque sur la page d'introduction, il est précisé que ce tuileur est rédigé avec la rectification d'interprétation et d'étymologie des mots de passe et sacrés, tant du rite ancien que du rite moderne, selon le tuileur publié en 1813. On doit aussi remarquer que ce document, qui est quand même attribué au fondateur du rite écossais accepté, comporte également le tuileur du rite moderne et celui de la maçonnerie d'adoption. Donc tout ceci nous conduit à penser qu'il doit être mis en perspective avec l'ultime tentative, peu après la mort du comte allemand, de fusionner les deux factions rivales, Prado-Pompéi, au sein du Grand Orient de France. Mais ce sera un échec. Général de Fernic se rapproche alors du comte Murer, qui, avec la bienveillance active de son gendre, le duc de Cazes, réveille en 1821 l'ancien suprême conseil qui prend désormais le titre de suprême conseil de France. Avant, c'était suprême conseil pour la France. Il se dote d'un nouveau corpus rituel qui sera représenté par le tuileur de tous les rites, publié en 1820, et cette fois-ci par Vuillaume, à partir de Delaunay, sachant que le tuileur de Pierrot, lui, avait été versé, après la mort de Pierrot, aux archives du rite philosophique. À l'époque, il a disparu pour les contemporains. Cette première édition du tuileur de Vuillaume introduit une importante nouveauté. Les membres de la loge ne sont plus comme avant des grands sacrificateurs, mais ils deviennent des lévites. Le grand souverain sacrificateur et ceux deux grands prêtres sont porteurs d'une mitre. Une lecture attentive montre que rien ne permet d'affirmer que nous soyons là dans le temple de Salomon achevé, où le fils d'Iram devait accomplir son sacrifice. La seule allusion au fils d'Iram se rapporte à l'heure d'ouverture des travaux, qui est celle... l'heure où le fils d'Iram doit venir pour sacrifier, on n'en sait pas plus, et le corpus du grade n'est pas détaillé. La datation en 1824 du tuileur manuscrit, qui est attribué à Déon, nous semble cohérente avec le déroulement de ce qui précède. On y retrouve la présence des lévites, la trame initiatique du rituel de réception du fils d'Iram restant très proche de celle de Pierrot. Mais comme dans le Quesada, l'obligation est prêtée sur le livre de la sagesse. Et ensuite, on constate l'apparition d'une prière qui est dédiée au grand Dieu. Et ça, on ne retrouve ça que dans le document Clos, qui confirme que ce rituel Clos, ou la collection Clos plus exactement, serait plutôt contemporaine du Dehong des origines du rite 20 ans plus tôt. J'en ai parlé avec notre ami Mermet de la Fondation Latomia, qui est tout à fait d'accord. La collection Clos s'est située entre 1815 et 1822-23, dans ces eaux-là, et pas du tout contemporaine de 1804-1805, comme c'est annoncé. Alors, ce qu'il faut ici relever, c'est l'apparition des lévites et la coiffe mitrée des trois officiers. On ne retrouva cette dernière particularité que dans les versions américaines du rite, jamais dans les versions françaises. Mais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de ces versions américaines, on ne connaît que les versions tardives. La plus ancienne, connue de moi du moins, étant la divulgation extrêmement détaillée de Leighton Masonry. On est donc en 1829. La disposition de la loge est conforme à ce que nous connaissons, mais il est toutefois précisé que le président est cette fois désigné grand souverain sacrificateur. Et il est écrit, alors que dans les loges françaises, il est nommé grand commandeur. Ce n'est pas du tout exact, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on a vu dans tous les documents qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et là-dedans, il est écrit, on indique que la loge est appelée hiérarchie, alors qu'en France, elle est désignée souverain conseil. C'est faux, justement, dans tous les autres tuileurs, la loge est désignée hiérarchie.
Et le président représente Aaron, les surveillants sont ses fils, Éléazar et Tamar. Et clairement, nous ne sommes plus dans le temple de Salomon achevé. Là, on est dans la tente du désert. C'est plus du tout la même chose. Comme dans Vilhomme, la seule allusion au fils d'Hiram se rapporte à l'heure d'ouverture des travaux, qui est celle où les descendants d'Hiram veulent procéder au sacrifice. Après avoir prêté son obligation, le récipiendaire doit baiser de la Bible. Les châtiments encourus sont ceux des autres fils d'Aaron. En substance, l'argument du degré consiste uniquement en la présentation du candidat au tabernacle. Sur le plan rituel, remarquons que dans la version de Pyrrhon, l'argument du grade fait clairement suite à la classe des élus, ce qui transparaît déjà dans le rituel de réception. Le candidat est désigné porteur du poignard qui est à son cordon noir. Dans le discours historique, puis l'introduction du grade, qui précisons que ce sacrifice représente l'action de grâce rendue au grand architecte de l'univers en mémoire de la vengeance prise sur les assassins d'Hiram. Et lorsque le voile a été écarté, l'arche d'alliance est visible au fond du sanctuaire où seuls pénètrent les trois grands officiers. Ce n'est pas le cas du récipiendaire qui effectue son sacrifice à l'autel des holocaustes, dont on rappelle qu'il est situé sur le parvis, face à l'entrée, mais pas dans l'enceinte sacrée du temple, que ce soit le temple de Salomon, que ce soit la tente. Cela ne fait donc pas de lui un prêtre. C'est l'adjonction de la qualité de lévite depuis le tuileur de Vilhomme qui suggère au 23e degré la dimension plus marquée d'une réception sacerdotale que de toute façon ne semblait pas du tout souhaiter Pyrrhon. C'est un point fondamental, j'allais dire, de ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que finalement dans le rite écossais on s'est accepté, il y a une phase d'initiation sacerdotale vraie ou pas ? Ou simplement un passage par une ambiance sacerdotale ? Donc en l'état, il est impossible d'apporter plus de précisions sur les origines de cette variante, que l'on retrouve datée de 1804 dans les fameux Original Complete Ritual of the First Supreme Council, mais nous avons déjà indiqué que l'authenticité reste à confirmer, même si ce ne serait pas idiot. Nous constaterons simplement que si le tuileur édité par Vilhomme en 1820 se trouve en rupture avec celui de Pyrrhon, il était cohérent avec ses originals, alors même que se préparait la constitution l'année suivante du Suprême Conseil de France, donc par fusion entre le Suprême Conseil des îles d'Amérique et les continuateurs du Suprême Conseil de France. Au-delà du tuileur de Vilhomme, seul le tuileur de Bazo, très laconique, s'abstient d'évoquer les Lévites dans les degrés du tabernacle. Dans le tuileur suivant, qui est le manuel général de Tessier en 1856, on retrouve une synthèse qui sera globalement et tout aussi succinctement reprise, avec la présence des Lévites, mais pas de légende rituelle, on ne sait pas exactement ce qui s'y fait. Puis le tuileur général d'Aragon, puis le tuileur du convent de Lausanne en 1875. Vous me dites si je ne suis pas trop long. Pour évoquer rapidement, cette fois-ci, les rituels du 24e degré, le prince du tabernacle. La présentation actuelle du grade au Suprême Conseil de France nous dit que le Lévite, cette fois-ci, clairement, admis dans le Saint des Saints, est élevé par le Très-Puissant à la dignité de prêtre. Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure cette... Les princes du tabernacle, fidèles adorateurs du grand architecte de l'univers, étroitement unis dans le cercle de la loge ou de hiérarchie, sont invités à jouir des bienfaits de la nature, mais aussi à rechercher la nourriture spirituelle de l'âme, la lumière de la vérité et fuir les ténèbres de l'erreur. Donc le tuileur de Pyrrhon, qui est ici, précise que le récipiendaire est un chef de tabernacle qui demande d'être présenté au temple achevé. Rituel très détaillé, ça inclut un alphabet hiéroglyphique, il y a toute une collection de santé à la fin, dont l'une est portée au roi et à la famille royale. Qui apparaît pour le moins surprenant pour un rituel qui serait daté de 1811. Ce qui nous conduit quand même à confirmer que cette collection de rituels Pyrrhon comporte des documents d'origine différente. Pareil toujours pour le rituel de la collection Clos, la transcription du 24e degré est très fidèle au rituel de Pyrrhon. On y relève cette orthographe ancienne du mot hiérarchie, là ce sont des détails, dont nous allons retrouver dans un manuscrit qui s'appelle L'art du frère Tuileur, dont nous ignorons, du moins jusqu'à présent dans l'exposé, la datation précise, probablement autour de 1810.
Et ce résumé de toute la maçonnerie, tant ancienne que moderne, concerne le rite français ou moderne, le rite écossais ancien et la maçonnerie d'adoption des dames. C'est un tuileur qui date de l'Empire, puisqu'un mot de passe d'un certain degré final, pour ne pas dire le dernier, a été remplacé par Napoléon, empereur des Français. Et nous disposons par ailleurs d'un autre art du frère tuileur, donc qui s'appelle pareil, tout à l'heure c'était un manuscrit, et là il y a une version imprimée en 1810, rédigée par le frère Abraham, Firmin Abraham, qui se qualifie chevalier de tous les ordres maçonniques et qui est dédié à tous les maçons des deux hémisphères. Mais ce document-là ne se rapporte qu'au rite français du Grand Orient. Mais nous pensons en fait que les deux arts du tuileur sont bien du même auteur, ainsi que le suggèrent des phrases strictement identiques dans les principes généraux figurant en entête du livre comme du manuscrit. De plus, l'écriture nous semble bien être celle de Firmin Abraham, c'est ce que vous avez au bout là-bas, ce sont les documents qu'il avait rédigés en 1804, c'était un PV de la loge Saint-Jean d'Écosse du Phénix, ça c'était au moment de la fondation du Suprême Conseil de France. Encore une particularité, le texte est bien superposable au rituel Piron du 24e degré, mais il s'est trompé, il est assigné au 23e degré. Revenons maintenant à l'unique et parfait tuileur pour les 33 grades de la maçonnerie écossaise, sans aucune exception, traduit de l'anglais, dont l'éditeur affirme en 1812 « Oh, la bonne aubaine !» vont s'écrier tous les maçons curieux et infatigables qui se piquent de tout avoir, hors ce qu'ils n'ont pas, dans leurs manuscrits poudreux et imparfaits. Mais quelle va être la joie des amateurs lorsqu'ils verront que notre tuileur, le nôtre, donne une analyse exacte des 33 grades écossais du rite ancien accepté, et notamment des 24, 25 et 26e, qui n'ont jamais existé en France. Enfin, voilà du neuf, diront-ils avec étonnement et enthousiasme. Eh bien oui, mes frères, c'est du neuf et du très neuf, arrivé des bords de la Tamise. Suivent des principes généraux, et là, il n'y a plus aucun doute, on y retrouve les phrases strictement identiques à celles de l'art du tuileur pour le rite français, qui étaient signées cette fois de Abraham en 1810, et au manuscrit évoqué ci-dessus. Donc tout ça, c'est du Firmin Abraham. À la différence du chef du tabernacle, l'origine du prince est parfaitement établie. Il est directement dérivé d'un rituel qui s'appelle l'élu suprême, tel qu'on le trouve dans le volume 2 de la maçonnerie des hommes, et qui pourrait dater au plus tard de 1765, qui a ensuite été développé dans la version issue dite des manuscrits Bon Seigneur, donc là on est à la Nouvelle-Orléans, dont la présentation nous rappelle, donc il semble donc bien établi qu'après 1786, des copies d'un ensemble de rituels plus anciens furent effectuées pour des francs-maçons francophones et que ces copies, après des vicissitudes inconnues, se retrouvèrent à la Nouvelle-Orléans. Notons d'emblée que les rituels de Piron et d'Abraham sont très largement inspirés de la version Monseigneur, dans lesquels on voit apparaître les mots de passe qui seront repris par Piron et les successeurs, mais pas par Abraham. Voyons tout de suite comment les mots rituels peuvent aider à comprendre l'évolution des rituels. Voilà la diapo. Vous la prenez vite par cœur, on fait une interrogation écrite juste en sortant. C'était censé être des rituels qui n'avaient pas été spécialement trafiqués, hein, ceux-là, parce que peu de gens s'en occupaient. Ben voilà. Les tuileurs d'inspiration anglo-saxonne sont à part, puisqu'on m'indiquait plus haut, ils font allusion à l'époque de la tente du désert et à des personnages contemporains, donc à Aaron, Moïse. Et même si les rituels comportent des éléments rappelant les origines françaises, surtout, l'argument en est très différent. Dans ces rituels anglais ou anglo-américains, il s'agit très clairement d'une initiation sacerdotale qui peut rappeler, pour ceux qui connaissent, l'installation des principaux dans les chapitres américains de l'arc royal, avec une onction, avec tout ce qu'il faut pour que ce soit effectivement une initiation sacerdotale, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Voilà donc en fait, si nous avons retracé l'origine du prince du tabernacle, nous ne savons rien de précis sur les sources du chef du tabernacle. Nous n'avons trouvé aucun document susceptible d'avoir servi de base à l'écriture de Piron. En particulier, aucune trace, même indirecte, d'une mise en scène rituelle du fils d'Hiram pour le 23e degré. Nous pouvons toutefois indiquer qu'après avoir par ailleurs analysé plusieurs rituels trinitaires datant du tournant du XVIIIe siècle, il ne s'agit pas d'un rituel issu de la séquence dite des trinitaires, qu'il s'agisse du système de Pirlet, ou des différents grades trinitaires. Pourquoi je dis ça? C'est qu'à la fin des années 70, un de nos frères, Paul Nodon, avait indiqué ça dans un des premiers bouquins écrits sur les hauts grades maçonniques. Ça a été repris, recopié, et en fait,
Ben, en fait, non. Du moins, pas pour ce qui concerne 23, 24 et 25e degré. On se rappellera donc aussi que la datation autour de 1805 des documents closes pour les degrés du tabernacle doit être considérée avec précaution, et que pour l'ensemble de cette collection, au moins pour les degrés au-delà du 18e. On ne peut pas exclure non plus dans l'ambiance conflictuelle vis-à-vis d'Abraham que la version Piron du chef du tabernacle ne soit pas directement de sa plume, c'est pas lui qui l'a tout simplement écrit. Et je ne sais toujours pas sur quelle base ont été rédigés les tuileurs d'Abraham et de Delaunay, censés venir donc de l'autre côté de la Tamise, d'autant que nous ne disposons pas, du moins moi, des rituels princeps de Charleston, ni de ceux du Suprême Conseil des îles françaises d'Amérique. Il en va de même pour le tuyeur de Vilhomme, qui va servir de référence pour la création du Suprême Conseil de France en 1821, donc je ne sais pas d'où ça vient, et qui sera repris en 1815 dans le tuileur de Lausanne. Voilà. Je vous remercie. Do we have any questions for our speaker? No questions? Si c'est dans le Abraham de 1812 qu'on avait créé pour la première fois le 24e, 25e, 26e degré. Et alors que pour moi, Étienne Morin était parti de mémoire de Bordeaux en 1769 avec les 25 degrés. Comment est-ce que tu comprends ma question de... Oui, oui, oui. Là, il parle des degrés du rite écossais ancien accepté, oui. C'est-à-dire de cette séquence du 1er au 33e, alors que Étienne Morin, c'était en 25 degrés. Oui. Mais là, on a eu entre-temps les degrés interpolés, dont justement font partie ces quatre degrés. Il y en a même cinq qui se suivent, hein, du 23e au 27e, qui sont interpolés dans la séquence. Quand je dis interpolés, il y en a 8, 33 plus 7 interpolés, le 33e. D'accord, je comprends mieux, merci. Voilà. Et le problème, c'est que je ne sais pas d'où ça sort. J'ai vu, je crois que c'était le... Bon, concernant les Delaunay, je sais qu'il y a eu une deuxième édition, je crois 1813 la première, 1821 pour la seconde, mais il me semble avoir vu un tuileur, alors je ne sais pas si ce n'est pas le Piron, justement, qui aurait été réimprimé par la suite. Non, a priori, non. Il y a eu 1813 pour la première version, 1821 pour la deuxième Delaunay. Au départ, c'était Delaunay, D-E-L apostrophe. Oui, et après, c'était un seul mot. Ensuite, ça devient comme un nom... D'imprimeur. Et on a parallèlement les deux versions du tuileur de Vilhomme, une version 1820 et une version 1830. D'accord. À chaque fois, en fonction des évolutions rituelles, sans doute un peu, et politiques surtout, bien entendu, la juridiction. Vilhomme étant arrivé au Suprême Conseil de France en 1818 ou 19, et semble-t-il venait de la faction île américaine. Moi, en fait, la question que je me pose, puisque je n'ai pas, si quelqu'un sait ou les a vus, les tuileurs d'origine, hein, Dalco, Michel, etc., moi je n'ai jamais vu tout ça, donc je n'ai pas de référence. Si je veux faire une comparaison pour savoir d'où viennent les différences d'appréciation rituelle et initiatique, finalement, entre les rituels plutôt français, où il s'agit d'une réception avec un sacrifice, mais pas d'initiation sacerdotale, et l'approche anglo-américaine, où il s'agit clairement d'une initiation sacerdotale, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas quand se fait la transition, puisque le plus ancien que j'ai, c'est Light on Masonry, et c'est 1829. Et quand j'interroge Arturo de Hoyos à propos de la publication en 95 là, de ces rituels, supposé du premier suprême conseil, il me dit en gros ça ressemble quand même à la divulgation de 1829, sauf que rien moi ne m'interdit de penser que la divulgation de 1829 elle était extrêmement précise pour tous les degrés de tous les rites. Le type il n'a pas écrit ça dans la nuit, c'était sacrément bien argumenté. C'est pas le sujet, mais dans cette divulgation, enfin dans cette édition de 1995, pour toutes ces séries de degrés, elles sont datées comme si elles avaient été introduites dans le rite par série. Et c'est remarquablement cohérent avec ceux qu'on connaissait au départ à Charleston en 1800-1802 et l'arrivée ensuite, les rajouts des degrés qui n'étaient pas en fait explicités au départ ou ritualisés, où il y avait juste le titre. C'est vraiment un truc à creuser sur lequel je n'ai pas de réponse non plus. J'ai plus de questions que de réponses.
Do we have any final questions? No? Non, parce que si on a trois quarts d'heure, ça va aller, je pourrais le dire en entier, si on a que 25 minutes, parce que ce matin, on a pris qu'on avait que 25 minutes, oui. Donc on a dû couper pas mal de choses, c'est pour notre amie traductrice, je voulais préciser justement... finir à 16 heures. Oui, alors si on finit à 16 heures, je pense qu'on devrait pouvoir la faire en... Ça, on finit à 16 heures. Oui, on finit à 16 heures. We're out of time. Donc en gros, tu as 35 minutes avec les questions. 35 minutes, bon, on va peut-être couper. How much time do we have? We have more. Alors je vais. Mon rythme. Pardon, j'ai parlé que deux pages, même pas une page. Ah oui. Mais merci. Alors je vais couper. Alors peut-être, sûrement, je ferai des coupures, mais je le dirai. Non, ça va être trop long. On va dépasser. D'accord. Okay, and I'd like to announce the final panel now for our speakers, François Delon et Lionel Guernaouti. Voilà, Guernaouti. Francis Delon et moi-même Lionel Guernaouti. Okay. Donc sur le thème « Être de Molay dans les bases américaines de l'OTAN ». Donc l'ordre de Molay, connu également sous le nom de Molay International depuis les années 1990, est un ordre paramaçonnique fondé à Kansas City au Missouri en 1919. C'est une société fraternelle et un mouvement de jeunesse devenu international. Notons tout d'abord que l'ordre fête cette année son centenaire. Cet ordre tire son nom de Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple. Aux USA, il regroupe des garçons de 12 à 21 ans, sans obligation de lien de parenté avec un franc-maçon. Alors, l'histoire de l'organisation, la rencontre. L'ordre de Molay est né à la suite de la rencontre entre un homme, Frank Sherman Land, et un jeune garçon, Louis, sont connus dans un moment d'adversité. En janvier 1919, Frank Sherman Land reçut un appel de son frère Sam Fritt qui lui a demandé d'accueillir un élève qui avait besoin non seulement d'un emploi à temps partiel, mais aussi de conseils. Le jeune homme en question s'appelait Louis Gordon Lover, âgé de 17 ans et soutien de famille. Il était Lawton, c'est-à-dire Louveteau, fils de maçon donc, et son père, Elmer Lower, passé à l'Orient éternel, était tout comme Sam Fritt et Frank Sherman Land, membre de Ivanhoe Lodge. Alors, Ivanhoe Masonic Lodge, ancienne Free and Accept Mason, fondée le 17 octobre 1901, existe toujours et porte le numéro 446 à la matricule de la Grande Loge du Missouri. Grande Loge créée le 21 avril 1821 dont le siège est à Columbia, donc une Grande Loge qui comprend aujourd'hui 324 loges et compte plus de 33 000 frères. Notons que sur son site net, cette Grande Loge aborde comme signe distinctif, la quasi-devise de notre République, liberté, fraternité, égalité, loge qui prône aussi le célèbre adage « making good man better ». Nous dirions donc aujourd'hui qu'entre l'adulte et le grand adolescent, cela a se matché. La rencontre est qualifiée d'excellente, à tel point que Land donne l'idée à Lower de se faire accompagner de jeunes amis et de les inviter à se rencontrer en tant que club. Ces 9 jeunes amis seront les fondateurs de l'ordre de Molay. Frank Land, guère plus âgé que les jeunes garçons, suggère de créer un club dans lequel ils pourront se rencontrer et effectuer des activités saines et organisées sous la supervision d'un adulte. Cette suggestion correspond à une attente car, dans cette période d'immédiate après-guerre, de nombreux jeunes avaient perdu qui un père, qui un frère de sang, qui un cousin à la Première Guerre mondiale et avaient besoin d'un modèle masculin et d'une référence paternelle avec toute l'attention qu'un père aurait eu pour un fils, éducation et amour paternel entre autres. La prochaine étape consistait à choisir un nom pour ce club.
L'un d'entre eux a suggéré que puisqu'il se trouvait dans un lieu de rencontre pour la franc-maçonnerie, il était juste d'utiliser le nom d'une personnalité liée à la franc-maçonnerie. En réalité, les rencontres informelles de ce club se tenaient au Kansas City Scottish Rite, un lieu où la gloire du grand architecte de l'univers est célébrée et où l'objectif du progrès humain est affirmé. Un lieu d'études, d'éducation, de fraternité, d'apprentissage, de réflexion, de charité et de compassion. Les futurs de Molay étaient donc à bonne école avec, au sein de ce Kansas City Scottish Rite fondé en 1884. De nombreux noms sont apparus et aucun consensus ne s'est dégagé jusqu'à ce que le nom et l'histoire de Jacques de Molay illustrent la loyauté en général et la loyauté de son comportement en préservant ses amis d'une mort certaine en particulier, en s'offrant lui-même en sacrifice pour préserver les siens. Ainsi, ce nouveau club a été nommé De Molay Club le 24 mars 1919, puis a ensuite été adoptée la date du 18 mars pour coïncider avec la date anniversaire de la mort de Jacques de Molay. Alors, cette date du 18 mars est parfois contestée par les historiens qui situent plutôt sa mort aux alentours du 14 mars, mais notons que le 18 mars de chaque année, une délégation américaine des De Molay vient fleurir l'endroit où De Molay est parti en cendres. Alors je sais que notre public est averti, je ne leur ferai pas l'affront de leur raconter la vie et l'histoire et de l'ordre et de Molay, mais en fin de slide, vous aurez la possibilité de voir la chapelle templière à Beaune, où Jacques de Molay a prêté son serment de chevalier à l'ordre du Temple en 1265, et aussi deux cartes postales anciennes rares et jamais publiées de la maison natale de Molay au village de Molay en Haute-Saône. Alors, quelques noms au sujet du fondateur de l'ordre de Molay, Frank Sherman Land. Alors c'est là où pour la traduction, je vais passer rapidement pour rester dans le timing et nous nous attacherons plutôt à étudier après les rituels de l'ordre du chapitre de Molay. Donc Frank Sherman Land se destinait d'abord à une vie, à des études artistiques, mais s'est très tôt consacré à ce que l'on appelle l'école du dimanche, donc à son église et à l'administration de cette église. Et il était à la fois président de cette église et prédicateur, ce qui lui a valu le surnom de petit berger de Saint-Louis, le quartier où se trouvait cette église. Abandonnant ses études, il a pris l'exploitation du restaurant de son père, qui sous son impulsion prospéra. C'est pour ça qu'il abandonna et vendit son affaire pour se consacrer entièrement à la franc-maçonnerie. En sachant qu'à l'âge de 21 ans, c'est sa grand-mère qui lui offrit le montant de sa cotisation, comme l'avait fait en son temps, comme elle l'avait fait pour son père, puisqu'il était fils de maçon lui aussi. Il ensuite reprend ses études de designer, mais passe le plus grand nombre de ses années à honorer la franc-maçonnerie et à créer et à instituer et à se consacrer à l'ordre de Molay. Alors nous ne savons pas si Land a eu une descendance, puisqu'il a toujours considéré ce premier jeune homme rencontré, Louis Gordon, comme son fils. Mais Land mourut le 8 novembre 1959, victime d'une sclérodermie, ça pour notre ami médecin, qui est une maladie rare et auto-immune. Et ce jour-là est toujours commémoré parmi les De Molay. Alors j'en oubliais de passer les différents slides. Voici celui du logo du centenaire qui a déjà commencé dès novembre 2018. Voici la photo surnommée donc Papa, et l'on verra pourquoi, fondateur de l'ordre de Molay, Frank Sherman Land. Voici le logo de la fameuse loge, le blason de la fameuse loge Ivanhoe Masonic Lodge dont je vous ai parlé au début de cet exposé. De Molay, bien évidemment, 23e et dernier grand maître de l'ordre du Temple. Et voici Louis Gordon Lower, le premier de Molay. Donc Louis Gordon Lower a eu son brevet délivré par le chapitre de Molay le 5 octobre 1919, signé et daté de Frank Lang. Land. Il a été également le premier membre de la Légion d'honneur. Alors la Légion d'honneur, c'est chez les De Molay le plus haut degré d'honneur au niveau international conféré par le Conseil suprême international de l'ordre De Molay. Alors cette médaille est conférée pour une action exceptionnelle dans certains domaines d'activité, notamment les services humanitaires, la charité, la fraternité et le service au sein de l'ordre De Molay. Il faut citer comme détenteur de cette Légion d'honneur
comment dirais-je, Bill Clinton, qui a été lui aussi un de Molay éminent. Alors, ce jeune premier de Molay a connu un destin tragique. Il était représentant de sa ville, directeur de l'auditorium municipal, et le 18 juillet 1943, il a été assassiné par un policier en fonction alors qu'il essayait de le raisonner, alors que cet agent de la paix était lui-même ivre et tentait de régler la circulation. Et l'agent de police tira sur ce de Molay, à peine âgé de 41 ans. Voilà ce que disait le fondateur, Frank Land, de lui. Il était un symbole pour des millions de jeunes, des idéaux et des enseignements de notre ordre. Il portait le manteau de l'ordre avec dignité et grâce. Il n'a jamais oublié la responsabilité qu'il avait acquise. L'éthique du leadership enseignée dans l'ordre de Molay a fleuri dans d'innombrables domaines d'activité. C'était un homme idéal. C'était un homme d'idéal. Il aimait Dieu, sa maison et son pays. Maintenant, nous allons nous attacher, mais nous allons juste survoler la vie de Frank Marshall, qui est le fondateur et l'auteur des rituels. Alors, il se caractérise très tôt par son amour du symbolisme, la rédaction de petits articles et par de nombreuses lectures. Il étudie à l'université de Kansas et se spécialise dans le journalisme. Il devient ainsi critique littéraire, critique de théâtre, de musique et d'art, et rédacteur en chef du plus grand journal du Kansas, le Kansas City Journal. Il entre dans la Royal, il est initié à New York, maçon au rite York, pour les Américains c'est tout à fait normal, et dans les hauts grades au rite écossais. Il est ancien vénérable maître de sa loge Westport numéro 330 et a atteint différents grades ou degrés en qualité de grand prieur de chapitre du Royal Arch Mason. Il est membre de l'Ordre Royal d'Écosse et aussi commandant du bureau des Knights Templars, l'équivalent des Templiers américains. En 1919, à la demande de son ami Frank Sherman Land, Marshall élabore les rituels de l'Ordre de Molay. Land le choisit pour son talent d'écrivain et savait que Marshall mettrait tout son savoir symbolique dans ses textes. Alors, lui aussi connut malheureusement une mort tragique, puisque c'est le 17 mars 1931, alors qu'il se trouvait à une réunion de Molay à Washington, lors d'une réunion d'un suprême conseil de l'ordre de Molay, et qu'il est reçu par le président Herbert Hoover, 33e président des États-Unis. Quand le président est venu le saluer, il a posé ses mains sur sa poitrine et est tombé par terre. Il est mort et est passé à l'Orient éternel à l'âge de 65 ans. Le but des de Molay, maintenant. Voilà, nous verrons le but, l'organisation et les symboles. Mais sur le but, je vais passer rapidement, ainsi que sur l'organisation, pour m'attacher à traiter essentiellement la partie rituelle, puisque c'est le thème de ce séminaire, d'un chapitre de Molay. Alors, le but de l'ordre vise à faire de bons citoyens respectueux des lois qui coexistent en harmonie avec la société et aident les autres dans leurs besoins fondamentaux et éducatifs et qui, par exemple, servent de modèle pour tous les jeunes. Ou pour reprendre les mots du premier diacre à la cérémonie d'initiation, je cite, « Le grand objectif de notre ordre est celui d'enseigner et de pratiquer les vertus, de vivre avec pureté, honnêteté, patriotisme et respect comme une meilleure préparation pour l'âge de la maturité vers laquelle nous sommes en train d'approcher. Nous sommes honnêtement en train de nous efforcer pour être des fils meilleurs, des frères meilleurs et des amis meilleurs, de sorte que lorsque nous atteindrons les années de la maturité, nous serons des hommes meilleurs. » L'organisation de Molay. Chacune des structures rassemble des jeunes de différents âges, ayant des besoins et des aspirations différentes, et souhaite enseigner des valeurs qui seront utiles dans la vie d'adulte. De Molay. Tels que savoir parler en public, respecter la hiérarchie, la discipline, les règles, l'importance d'aider sa communauté, ainsi que de savoir être responsable. L'ordre de Molay développe surtout sept vertus qu'il classe comme cardinales, qui sont amour filial, vénération pour les choses sacrées, courtoisie, camaraderie, fidélité, propreté, patriotisme. Alors, les structures de Molay, il en existe quatre. Le Squire Manor, c'est-à-dire le manoir des écuyers, le chapitre de Molay,
qui comprend vraiment les deux mollets, les prieurés qui comprend des chevaliers et les adultes. Donc quatre structures, les écuyers de 9 à 11 ans, les deux mollets de 12 à 17 ans, pardon, les prieurés de 17 à 21 ans et les adultes au-delà de l'âge de 21 ans qui peuvent être soit membres du Conseil suprême, soit des volontaires adultes, soit des advisors, des conseillers, soit des cadres dirigeants. Alors, pour le manoir des écuyers, ce qu'il faut retenir, c'est que les symboles qui sont enseignés contribuent à façonner le futur de mollet. Il y a quatre choses qui leur sont essentiellement présentées, la table ronde, les livres de sagesse, le maillet de justice et l'épée de vérité. La table ronde symbolise l'expansion de la gloire dans le monde entier avec une place identique pour tous et sans distinction de position. Elle représente l'harmonie et la fraternité. Les livres de sagesse sont présentés aux écuyers comme symbole de l'éducation et de la lutte pour le développement intellectuel. Le maillet de justice représente la force et la puissance contrôlée. Et l'épée de vérité, symbole de la parole de Dieu, montre également que la plus grande arme que nous possédons est la vérité. Avec elle, nous réalisons la paix avec la famille, la confiance des gens qui nous entourent et le bonheur dans nos vies quotidiennes. Ensuite, les chapitres de mollet, ce sont eux qui consacrent pleinement le jeune écuyer qui souhaite devenir de mollet. C'est une expérience unique qui est construite autour des mêmes valeurs. Alors, pour les Américains, il s'agit d'un creuset indispensable pour un enseignement visant à donner aux jeunes toutes les qualités d'un bon leader. C'est vrai que cette notion de young leader pour les Américains est extrêmement importante. S'ils le désirent, les deux mollets peuvent, après l'âge de 17 ans, rentrer au sein d'un prieuré. Et ce prieuré, qui a pour nom officiel chevalier du Saint-Ordre des soldats compagnons de Jacques de Molay, donc il ne s'agit pas d'un grade honorifique ni d'une distinction, mais bien un lieu où le but est d'améliorer les membres et servir l'ordre de Molay. Ils se distinguent des écuyers et des deux mollets par leur vestition. Alors c'est une cape ou un manteau blanc avec une croix templière à gauche, et le cas échéant, le maniement de l'épée porté à la hanche ou manipulé lors des cérémonies. Alors cet ordre de chevalerie a vu ses débuts en 1946. Ensuite, à l'âge adulte, au-delà de 21 ans, ils ne peuvent plus être de mollets, mais peuvent participer à différentes manifestations, que cela soit notamment des manifestations de charité, pour les dames qui sont admises, autant Land, le fondateur, était appelé papa parce que trop jeune, il ne voulait pas l'appeler monsieur, par révérence par rapport à lui, il ne voulait pas l'appeler par son prénom, il l'a appelé papa, eh bien, les deux mollets ont aussi des mamans, et en sachant qu'un frère, pour un jeune de mollet, il est souvent appelé mon oncle ou tonton. Alors, ces adultes peuvent faire partie aussi du Conseil suprême, qui a pour but de chapeauter un peu tout ça. Et l'intérêt de ce chapitre de ce Conseil suprême, c'est qu'il donne des points. C'est-à-dire que plus on est actif, plus on a de points. Et plus on a de points, plus on peut avoir de médailles ou de reconnaissances. Et là aussi, Bill Clinton, 42e président des États-Unis, a acquis un certain nombre de points dus à son ancienneté et sa persévérance à travailler pour l'ordre de Mollet. Là, nous vous avons reproduit la médaille d'un advisor, c'est-à-dire un conseiller. Le conseiller assiste à toutes les tenues en chapitre de mollet, mais n'intervient absolument pas dans la vie d'un chapitre. C'est, je dirais, un moteur immobile. C'est en quelque sorte une référence, mais jamais il ne se permet d'intervenir dans la cérémonie et dans le rituel. Alors, Frank Land était loin de s'imaginer le développement que prendraient les deux mollets, qui comptent aujourd'hui 180 000 jeunes aux États-Unis. Et vous voyez que dès 23, il franchit la frontière, il part au Canada, ensuite à Hawaï, en Alaska, en Australie, en Allemagne, au Japon, se développe au Brésil, où nous retrouvons 85 000 membres, ce qui est assez important, en Roumanie, en Italie. En 2015, il est créé en France. Alors, la situation que nous allons voir, c'est sur les bases américaines de l'OTAN, donc notamment sur la base de Châteauroux, de 51 à 67, les dates auxquelles les Américains, nos amis américains, se trouvaient sur le territoire. Mais en France, l'ordre de Mollet est apparu en 2015 et en 2017 est présent en Albanie. Alors voici la photo du siège de Mollet à Kansas City en 1958. Alors,
Les symboles de Mollet. Alors voici le symbole de Mollet qui est porté aussi sur la cape du de Mollet. Alors on peut demander à Francis de bien vouloir porter la cape. Alors c'est une cape authentique de du chapitre de Mollet de la base américaine de Châteauroux. Et vous verrez que le maître conseiller qui porte une cape rouge est une cape qui a été datée de 1940, qui vient aussi de la base américaine de Châteauroux. Nous avons la chance d'avoir dans les archives des documents authentiques. Alors, que symbolise ce blason? Eh bien, la couronne est le symbole de haute moralité, de la fidélité aux obligations et aux sept vertus de l'ordre évoquées tout à l'heure. Les 10 pierres précieuses de la couronne de la jeunesse honorent le fondateur, Karl Land et les neuf jeunes, dont les liens d'amitié les ont amenés à la création de Mollet. Les rubis rouges honorent ceux qui ne le sont plus, c'est-à-dire qu'auparavant, ils étaient représentés par des perles qui représentaient des membres vivants. Et chaque fois qu'un membre fondateur est décédé, eh bien, il était cette perle remplacée par un rubis rouge. Le home est emblématique de la chevalerie dont les deux mollets font preuve à travers leur courtoisie et leur respect des dames. Le croissant est le signe au centre et le signe du secret et rappelle constamment aux deux mollets leur devoir de ne jamais révéler les secrets de l'ordre ou de trahir la confiance d'un ami. La croix blanche à 5 branches symbolise la pureté des intentions de ne jamais oublier le mot de l'ordre. Mot d'ordre, aucun de Mollet ne saurait échouer en tant que citoyen, en tant que leader et en tant qu'homme. Les étoiles entourant le croissant symbolisent l'espoir et doivent toujours rappeler les obligations et les devoirs qu'un frère de l'ordre a un frère envers un autre frère. Enfin, les épées croisées représentent la justice, la force et la clémence. Nous allons maintenant entrer dans le rituel de Mollet. Alors, c'est un rituel qui a été traduit des rituels américains en 1997 et qui est toujours en vigueur. Alors, ce rituel est donné au début de la cérémonie. Il est juste prêté, il doit être rendu à la fin de la cérémonie. Alors, nous avons noté plusieurs points importants que nous allons développer. Avant toute réception, le candidat signe un code de bonne conduite. Il y a le serment confidentiel pour des adultes non-maçons ou non-senior qui assisterait à un chapitre. Il y a la fameuse cérémonie de la lumière, la présentation du drapeau, la prière du chapelain, la cérémonie du grade initial qui comprend le serment, la transmission du pas, du signe, des attouchements et du signe de difficulté, puis le voyage qui symbolise le travail d'un jour et le parcours de la vie humaine avec la couronne de la jeunesse jusqu'à la couronne de la maturité. Alors, il faut d'abord disposer la salle. Alors, voici une disposition de salle pour un chapitre de Mollet. Alors, il y a, voilà, je vous montre une autre vue de l'Orient, la disposition de la salle. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs officiers. 4 sont élus. Le maître conseiller, équivalent d'un vénérable maître, le conseiller senior et le conseiller junior et le trésorier, et au moins 10 autres postes sont nommés. Alors, le code de conduite signé par le candidat, sous la responsabilité d'un frère responsable justement du candidat et d'un frère parrain, le jeune futur de Mollet doit savoir, il signe cet engagement, un de Mollet doit sert Dieu, honore toutes les femmes, aime et honore ses parents, est honnête, est fidèle aux idéaux et aux amis, pratique un travail honnête, est un homme de parole et courtois, et à tout moment un gentleman, est un patriote en temps de paix ou de guerre, est propre dans son corps et son esprit, suit scrupuleusement ses études, porte toujours la réputation d'être un citoyen respectueux des lois, respecte les règles auxquelles il s'est engagé, ne publie pas de propos ou d'images contraires à l'ordre sur les réseaux sociaux, un de Mollet est assidu aux tenues de son chapitre. Donc vous voyez, on a à la fois des termes qui sentent bon le début du XXe siècle et puis qui sont tout à fait contemporains. Alors, le maître conseiller, qui est en sorte quelque sorte le vénérable maître, fait prêter, puisque les parents des jeunes de Mollet reçus peuvent assister aux cérémonies. Pour cela, il leur fait prêter un serment. Et c'est un serment que les adultes, en tant que non-maçons, doivent faire. Alors ce serment, le maître conseiller demande aux personnes qui assistent à la cérémonie de se lever et leur dit « Placez votre main droite sur votre cœur, gardez le silence en la présence de Dieu et de ses témoins.
Jurez sur votre honneur de ne jamais divulguer ce à quoi vous allez assister et à quoi vous assisterez dans ce chapitre de l'ordre de Molay et dans les cérémonies rituelles de l'ordre, et que vous encouragerez la fidélité de chaque membre de l'ordre de Molay et l'observance loyale à cet engagement. Dites « je le jure », sans quoi les gens répètent « je le jure ». Ensuite, la cérémonie peut commencer. Alors, il y a une très belle cérémonie qui sert aussi, alors voilà les différentes places des officiers dans lors de la cérémonie d'un demoiselle. Alors justement, ce qui est assez important, c'est de voir les positions des bougies qui sont symbolisées par le triangle juste en dessous de l'autel. Et alors, c'est le frère orateur qui est devant l'autel et qui se déplace et qui, à chaque bougie, allume sa bougie, une bougie, et dit la chose suivante. La première bougie symbolise l'amour entre les parents et son enfant. Cet amour qui existait avant notre naissance et qui nous a accompagnés tout au long de notre vie et qui nous suivra même au-delà de la tombe. Les sages ont nommé cet amour agapé, amour, sans aucune autre raison que le souci de d'autrui. La deuxième bougie est l'emblème de la révérence pour tout ce qui est sacré. Un jeune homme franchissant le seuil de l'ordre de Molay pour la première fois professe une foi profonde et éternelle en un Dieu vivant et vrai. Dans cette foi indéfectible et la grâce de notre Père Céleste, notre labeur n'aurait aucun sens. La troisième bougie représente la courtoisie qui transcende les amitiés. Quatrième bougie, celle au centre de nos sept bougies, représente symboliquement la camaraderie. La cinquième bougie représente simplement la fidélité. Un de Molay ne peut jamais, par un motif justifié ou non, manquer à ses vœux, à ses promesses, à ses amis et à son Dieu. La sixième bougie symbolise la pureté, pas seulement corporelle, mais celle que nous pratiquons tous, mais la pureté de chaque pensée, parole et action. La dernière bougie est l'emblème du patriotisme. Vient ensuite la cérémonie du drapeau. Alors là, je vous ai marqué les différentes positions des officiers. Alors, ce sont des slides qui sont tirés d'un rituel officiel américain daté de 1961, tel qu'il se pratiquait sur les bases de l'OTAN que nous verrons tout à l'heure. Voilà le maître conseiller avec cette tenue rouge, donc ce manteau, cette cape rouge dont nous avons pu authentifier, et elle est datée de 1941 et sert, comme vous pouvez en juger, encore. Il y a la cérémonie ensuite du drapeau, alors du drapeau du pays et du drapeau de l'ordre. Alors ce qui est intéressant, c'est la façon dont le vénérable maître, en quelque sorte, demande aux deux mollets de se positionner. Les frères, mettez-vous au garde-à-vous et saluez les drapeaux. Alors, se tenir au garde-à-vous signifie qu'une personne tient sa tête et son corps droit face au drapeau. Lorsque l'on se déplace, la tête et le corps bougent de façon à ce que la personne soit toujours tournée face à lui. Ensuite, est chantée l'ode d'ouverture, qui est simplement l'hymne national. Vient après la position du chapelain. Ça, c'est une entrée dans un chapitre de Molay, dont la position de prière, toujours issue de ce rituel, plutôt un manuel, le handbook, un manuel qui date aussi des années 60 et toujours en vigueur chez nos amis américains. Voilà le chapelain qui dispose la Bible ainsi que son signet. Et voici la position du chapelain quand il fait sa prière. « Notre Père qui est aux cieux, nous te prions humblement de veiller avec faveur à nos efforts pour accomplir ta volonté au cours de ces premières années de notre vie et quand le midi arrivera, que nous puissions regarder derrière nous et voir un travail bien fait. Aide-nous à vivre avec pureté et noblesse à ton égard en vue de la préparation des années méridiennes de la maturité. Aide-nous à être de bons fils, des compagnons loyaux, des jeunes citoyens de notre grand pays et dignes de la confiance que tous les hommes honnêtes. Amen. » Ensuite, nous allons aborder la cérémonie du grade initial. Alors, cette cérémonie d'initiation, nous allons tout de suite passer à ce qui est un moment important en toute cérémonie,
c'est la prestation de serment. Donc nous voyons là l'autel tel qu'il est disposé. Alors il est disposé un saint Coran tout simplement parce que l'impétrant ce jour-là, le jeune candidat, était un jeune homme de confession musulmane, puisque bien souvent dans les pays anglo-saxons, sur les autels sont disposés les livres des frères dans les confessions, enfin les livres des confessions que les frères pratiquent. Mais en tout cas, la Bible est ouverte et vous notez que le signé est lui aussi à l'effigie du blason de De Molay. Alors voici le serment pratiqué et demandé à l'impétrant et que le maître conseiller, le vénérable maître en quelque sorte, demande de répéter après lui. En présence de Dieu et avec la main droite sur la sainte parole, sur mon honneur, de personne qui estime sacré son serment, serment que je fais garder confidentiel, tout ce qui m'a été confié par cet ordre. Je promets qu'à partir de maintenant, je vais chercher honnêtement et loyalement d'être un meilleur fils de ce que je n'ai jamais été auparavant, en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour récompenser l'amour et les soins que mes parents m'ont consacrés. Je promets de mener une vie pure et morale en gardant mon corps libre de désordre et mon esprit libre d'impureté qui corrompt et ruine la jeunesse. Je promets que j'aimerai et que je servirai Dieu comme un pieux religieux à l'autel de la foi et que je servirai mes amis dans l'esprit de la fraternité universelle. Je promets que je donnerai à ma patrie une fidélité inébranlable en défendant son honneur avec ma vie, si besoin était, son drapeau, mon drapeau et sa cause, ma cause, et que j'obéirai aux lois de mon pays, État et patrie. Je promets que je battrai chaque entité qui soit hostile au très haut bien de ma patrie et que je consacrerai mes plus grands efforts pour la défense des libertés civiles, religieuses, politiques et intellectuelles en pensant à l'école publique comme le berceau de la liberté et de la pensée libre, de ma patrie, une bénédiction précieuse de mon pays. Je promets que je respecterai la mémoire de Jacques de Molay qui a donné sa propre vie plutôt que de trahir ses frères et la confiance de ses frères placée en lui et que je ne ferai jamais, volontairement ou consciemment, rien qui puisse m'empêcher de gagner le respect de tous les hommes honnêtes. Je promets que je serai toujours loyal à un frère à cet ordre, que jamais je ne lui ferai de tort et que je chercherai à l'aider dans l'adversité et dans le besoin et que toujours je me tairai et que si je ne pouvais pas parler en bien de lui en présence des non-initiés. Je promets d'honorer les femmes et que je ne serai jamais coupable de diffamer le caractère de chaque femme ni ne permettrai que soit fait du mal à la sœur ou à la mère d'un membre de cet ordre s'il était en mon pouvoir de l'en empêcher et que Dieu m'aide. Le maître conseiller demande à ce que l'impétrant scelle ses lèvres, de ses lèvres, son serment sur la Bible sacrée. Puis ensuite vient la communication des signes, mots et attouchements. Alors il y a d'abord un pas qui est exécuté en plaçant le pied gauche devant le pied droit, comme si l'on allait saluer quelqu'un. Le signe se fait en tenant la main droite en avant, comme pour dire bonjour, tout en tenant la main. L'attouchement se fait en étendant la main gauche en haut face à l'épaule, comme pour la placer sur l'épaule de celui que l'on salue, et le mot émulation est De Molay, et tous les De Molay répètent à ce moment-là De Molay. La poignée de main de l'ordre est donnée en prenant la main de façon normale et en pressant le pouce fermement entre le pouce et le premier doigt deux fois, puis une fois immédiatement après. Cela sans doute vous rappelle-t-il quelque chose. Le pain symbolise notre désir de saluer un ami ou de donner la bienvenue à un étranger. Le mot émulation est le nom du grand héros et martyr, le nom que nous avons assumé et qui nous enseigne à suivre son exemple héroïque. L'attouchement fait allusion aux trois officiers principaux d'un chapitre, ainsi qu'à nos devoirs envers Dieu, nos parents, notre patrie et à la sagesse. Le signe de difficulté, le frère qui s'apprête à aider un frère en difficulté devrait dire « tu es en difficulté », le frère lui répond « je suis un De Molay ». Maintenant vient la cérémonie, le passage de la couronne de la jeunesse que le maître conseiller va donner au jeune De Molay qui vient d'être reçu, qu'il va lui confier et que ce jeune De Molay devra lui restituer quand il aura atteint l'âge normalement de maturité. C'est donc un voyage qu'il va exercer. Alors,
à chaque officier dans le temple, dans ce lieu, va être donnée une petite pierre qui va symboliser les bijoux. C'est souvent des pierres en jade ou en onyx. Chaque précepteur va déposer lors des déambulations, tout en disant quelques mots, ce bijou sur la couronne. Voici donc les déambulations qui sont faites dans le lieu. Le premier précepteur: je place dans la couronne de la jeunesse le bijou de l'amour filial. Le second placera le bijou de la révérence pour les choses consacrées. Le troisième placera le bijou de la courtoisie. Le quatrième précepteur placera le bijou de la camaraderie. Le cinquième, le bijou de la fidélité. Le sixième, le bijou de la pureté, pureté de pensée, de parole et d'action. Et le septième, le bijou du patriotisme. Alors bien évidemment, il y a de longues phrases qui sont dites en même temps que cette cérémonie, mais pour laisser la place à mon ami Francis pour les deux mollets sur les bases de l'OTAN, j'ai volontairement abrégé, mais bien évidemment, nous pourrons vous transmettre ce travail si tel était votre désir. Alors pour terminer, bien sûr, cette cérémonie, il y a une cérémonie de clôture, mais il faut que je vous donne quelques noms de mollets célèbres qui sont rentrés au temple de la renommée, selon leur appellation. Il s'agit bien évidemment, mais vous le savez sûrement, de Walt Disney, de John Wayne, je vous ai parlé de Bill Clinton, mais il y a aussi Frank Borman, célèbre astronaute, et aussi de Gary Collins, qui était lui aussi un acteur. Et maintenant, je cède la place à Francis pour les bases militaires de l'OTAN en France. Alors, je vous passerai quelques slides de la base militaire de Châteauroux, des photos que nous devons au directeur de cette base actuelle. Oui. Alors, juste pour dire un mot, il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on a déménagé de Binot pour aller rue Christine de Pisan, qu'on a vidé les caves, il y avait une grande caisse, deux grandes caisses en carton, j'allais dire, alors scellées, scotchées, avec dessus Monsieur de Rosière, député grand-mère de la GLNF, en a ouvert ça, et c'est là que j'ai trouvé toutes ces panoplies, les rituels, etc. Voilà comment c'est venu en se connaissant. Alors, très rapidement, donc, il faut savoir que dans la foulée de la création de l'OTAN, une quinzaine de loges ont été consacrées sur le territoire français au sein de la GLNF, parce que c'était la seule obédience régulière. Les premières ont été des réveils, ça a été Libération numéro 8 et Unity en 1954-1955, elles ont été suivies par 10 autres. Alors, celle de Châteauroux, sur la base aérienne, a été créée donc en juin 1956. Et ces loges sont restées en activité jusqu'au départ de l'OTAN en 1965. Alors, comment est parti donc ce chapitre de Mollet? C'est que le 15 décembre 1957, un ancien membre du Mark Twain Chapter Order of de Mollet dans le Missouri, qui s'appelait Raymond Elwes, mais qui résidait en Touraine, a transmis à Frank Estland, directeur du développement au sein du Suprême Conseil international de l'ordre, la requête de James P. Leblanc, vénérable maître de la Mount Lebanon Lodge numéro 53, donc qui avait été consacré un an avant, qui se réunissait donc à la Martinerie Airbus Force près de Châteauroux. Donc ce vénérable maître souhaitait en effet parrainer la création d'un chapitre de Mollet pour accueillir en priorité les adolescents dont les parents étaient membres de l'US Air Force ou employés civils sur cette base aérienne et accessoirement de jeunes Français intéressés par cette organisation. Cela ne s'est pas produit. Le 23 avril 1958, les fondateurs, disposant d'un nombre suffisant de jeunes Américains âgés de 14 à 21 ans susceptibles de devenir membres, c'est-à-dire il en fallait entre 25 et 30, mais le directeur des activités donc, au sein du Suprême Conseil de l'Ordre de Mollet, qui s'appelait Faulkner Jr., a autorisé donc la création de ce chapitre qui a pris le nom de Lafayette Chapter, Order of de Mollet. Il y a eu une réunion préparatoire le 7 juin 1958 où fut confirmée la désignation de Raymond Elwes comme président, donc conseiller, premier président donc, de ce chapitre. Et ce chapitre a été consacré le 27 septembre suivant, donc 1958,
Et au cours de cette cérémonie, 20 adolescents, tous de nationalité américaine, furent reçus dans l'ordre. Alors, il y avait seulement, je n'ai pas pu faire une étude sociologique, bien que j'ai les registres procès-verbaux des membres qui étaient reçus, parce qu'il n'y a que des listes de noms. Contrairement aux loges américaines, par exemple, où j'ai le profil des gens, avec les noms, d'où ils viennent, les métiers et tout, là, je n'ai rien. Donc, c'est difficile. Donc, ils en recevaient des foulées à chaque fois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se réunissaient deux fois par mois, mais il faut savoir que ces bases américaines, les gens se réunissaient parfois deux fois par semaine. D'abord, le deuxième et premier et troisième mercredi à 20h, et ensuite, ça a été mis à partir de 59 au second et quatrième mercredi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux chapitre Lafayette est le septième chapitre à être installé sur les bases américaines en Europe, et ça a été le premier en France. Alors, c'est lui, bien sûr, qui a ensuite il y a eu un essaimage de chapitre de l'ordre de Molay sur les autres bases. Alors, surtout en Normandie, à Paris et à Orléans. Je peux citer Jeanne d'Arc Chapter qui est à Orléans, je vais vous dire, à Évreux, Paris American Chapter qui est à Paris, ou Orléans American Chapter qui est à Orléans. Alors, ce Lafayette Chapter a tenu sa dernière tenue le 15 juillet 1965, il n'y a plus personne dans la rue de présence, ils sont une quinzaine, il y a trois membres, j'allais dire, et les officiers, et il n'y a plus de visiteurs. Et la dernière réunion de comité a été donc tenue en septembre, et ensuite, donc, tous les fonds ont été versés à la Mount Lehman Lodge, numéro 53, mais cette Mount Lehman Lodge également est entrée en sommeil avec le départ. Alors, en revanche, il y a eu d'autres projets de créer d'autres ordres de ce style-là. En 1960, ils ont voulu établir un chapitre de l'ordre de l'Incestar, de l'étoile orientale, qui était réservé principalement aux femmes, sur la base militaire de Châteauroux. Et il n'a pas abouti parce que les dirigeants de l'Incestar ne souhaitaient pas qu'il soit limité aux seules épouses et filles de militaires américains. Voilà en gros donc ce que je pouvais vous dire dans cette guise d'introduction donc sur la pratique de cet ordre de Molay sur les bases américaines. Alors, il faut savoir que contrairement aux loges anglaises qui étaient très nombreuses dans l'entre-deux-guerres, la GDNF, où vraiment il n'était pas qu'entre anglais, dans les loges américaines, ce sont des entités américaines. Vous n'avez pas de français dedans. C'est quasiment un État dans l'État, pour Saint-Gilles, je veux dire, un homme politique Richelieu. C'est vraiment, ils sont entre eux. Alors, bien sûr, ils sont sous l'égide de la GDNF parce que la GDNF est régulière, mais il n'y aurait pas une maçonnerie régulière en France, ils auraient fonctionné tranquillement entre eux sans se demander autre chose. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'impact, j'allais dire. Alors, ça faisait grossir les effectifs de la GDNF à l'époque, mais c'était artificiel. Et heureusement, je veux dire, en 1965, le parti de la GL est venu à la GDNF, ça a permis donc, de maintenir les effectifs. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Donc, c'est une pratique donc, intéressante donc, bon, en paramaçonnerie qui a pu exister en France. Voilà. Alors là, je voulais vous présenter la chapelle templière Faubourg Saint-Jacques à Beaune, dont une partie a été vendue par un antiquaire dans les années 50 et qui est vraisemblablement au Cloister Museum à New York, mais elle est toujours habitée par la même famille depuis le début du XXe siècle, une famille de maraîchers. Là, nous avons la plaque rendant hommage à de Molay qui a prêté son serment en 1265, donc très jeune, parce que je crois qu'il est né en 1249 hein, ou 43 aux alentours. C'est vrai que c'est 43-44, c'est circa, parce qu'on n'a pas encore la date. Et de mémoire, la personne qui habitait, elle a été posée après la mort de mon grand-père, donc a priori à partir de 1975, comme quoi la mémoire humaine fait parfois défaut. Là, je voulais vous montrer la maison dite natale de Molay, qui est en ruine, comme vous pouvez le constater, qui était dite natale de Molay parce qu'elle n'est pas attestée, mais c'est la plus vieille maison du village Molay, qui se trouve à 70 km au-dessus de Dijon, en Haute-Saône. Alors voilà des cartes postales absolument anciennes et qui n'ont jamais été montrées, qui montre les ruines du château féodal du célèbre et dernier grand maître de l'ordre du Temple. C'est là où est né Jacques de Molay. Et il faut savoir que cette maison a brûlé en 1930. Toute cette partie sur la gauche a brûlé en 1930. Voilà pourquoi il ne reste aujourd'hui que cette partie qui est en ruine. Et une association locale essaye de la faire revivre, essaye de faire appel aux dons. Mais malheureusement, c'est extrêmement difficile dans un petit village de 300 âmes où il y a beaucoup de batailles, de guerres de clochers, de faire quelque chose. Donc voilà, pour terminer cet exposé sur être de Molay sur les bases de l'OTAN, ce que nous voulions avec Francis vous montrer concernant Jacques de Molay.
J'ai rien trouvé. J'en ai trouvé des mentions qui parlent de le faire, mais ça s'arrête là. Ça existait, mais bon, que j'avais. Parce que, non, je n'ai rien trouvé là. C'est miraculeux que les rituels. C'est-à-dire, quand ils ont quitté Châteauroux, ils ont tout renvoyé au siège à Genève. Alors, c'est que dans ces cartons, on a trouvé les rituels, on a trouvé les correspondances, voyez. Mais les autres, ils n'ont pas dû le faire. Et c'est resté pendant près de 40 ans dans une caisse au fond d'une cave. Personne n'avait touché à rien. C'est-à-dire que l'ordre du Rainbow, l'ordre de l'arc-en-ciel pour les filles, existe bien évidemment toujours. Il y en avait. Seulement, nous avons, nous, essayé de le passer à nos sœurs de la Grande Loge Féminine de France en leur disant, il y a cela, nous avons développé, sous la bienveillance de la Grande Loge Nationale Française, cet ordre de Mollet qui nous est venu d'Italie. Est-ce que l'on ne pourrait pas vous offrir à vous, nos sœurs de la GLFF, l'ordre du Rainbow? Et finalement, nos demandes sont toujours restées sans réponse. Mais il faut dire que le Rainbow aux États-Unis, c'est un peu comme le de Mollet aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai précisé que les âges 12, 21, c'était les âges américains, même 9, 11 ans pour le manoir des écuyers qui n'existe pas en France, mais de Mollet en France, on de 15 à 21, c'est tout. Et après, il y a la fédération des anciens, des alumni, des anciens élèves éventuellement. Mais l'ordre du Rainbow, c'est un ordre, il y a beaucoup de dress code, beaucoup de contraintes, beaucoup de prières, choses comme ça. En France, on a un esprit beaucoup plus ouvert vers la République, les livres scolaires qui servent à l'éducation laïque, publique, alors que les Américains, c'est vraiment quelque chose de très, très patriotique, très tourné vers Dieu, l'amour des parents, alors que nous, on a cela avec un esprit beaucoup plus libéral. Et pour les Rainbow, ce qui fait peut-être peur à nos sœurs de la Grande Loge Féminine, c'est ce côté dress code, où il ne faut pas avoir les cheveux à telle hauteur, pas porter de jupe au-dessus du genou, des choses comme ça, mais c'est un ordre qui est très vivifiant, malgré un ordre maçonnique qui est en fort déclin. Eh bien, c'est un genre paramaçonnique qui offre un cadre de vie et d'éducation est quand même relativement bien coté. Il faut savoir que les deux mollets au monde, c'est presque 1 million de personnes au total, hein, 180 000 aux États-Unis, 85 000 au Brésil, on arrive au total à près d'un million de jeunes deux mollets. Une des raisons pour lesquelles vous n'avez peut-être pas obtenu de suite auprès des sœurs de la GLFF, c'est qu'il existe en France des organisations d'enfants de francs-maçons, ça s'appelle les cercles de cadets. J'ai moi-même été fondateur d'un de ces cercles dans les années 60, et ces cercles sont interobédientiels et mixtes. Et il y a une très belle colonie de vacances, la Clarté, qui est aussi interobédientielle et différent des cercles de cadets. So sadly, we're out of time now. We will need to adjourn for a quick 30-minute coffee break, and then we'll adjourn again in 30 minutes. Thank you. Merci.